pour éviter les démarrages intempestifs qui peuvent être dangereux. L'ordre de marche est fourni par un front montant de L entrée DI1, ainsi, si à la mise sous tension du variateur, DI1 est strappé avec P24, le variateur ne verra pas de front montant sur DI1 et ne démarrera pas, il affichera NST tant qu'il ne recevra pas de front montant sur DI1. Pour que le variateur puisse démarrer à la mise sous tension sans action volontaire de L-opérateur, il devra strapper P24 avec DI1 et positionner le paramètre type 2 fils à la valeur sur TA. Auparavant, l'utilisateur aura mesuré les risques d'un tel démarrage et pris les mesures adéquates de protection des biens et personnes. Menu 5 Réglages complet 5. 4 Commandes et référents. Type 2 fils égale sur TA. Cette action N n'est pas réalisable avec WebServer 4, faire tourner le moteur, 2 straps, câblage INSTO-A et STO-B doivent être au potentiel de 24 volts, en produit 9 sorties carton, STO-A et STO-B sont strappés à la borne 24, à vérifier impérativement, 2 ponter la borne AI1 consigne analogique sur la borne 10V, 3 ponter la borne DI1 sur la borne P24 ou utiliser un commutateur. Fonctionnement attention, vérifiez que le switch situé sous les borniers soit sur la position SRC. 100 avant dès que DI1 sera ponté, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le 100 avant et lui faire atteindre la vitesse écrite dans le paramètre vitesse haute high speed, soit 50 Hz style de 1500 RMN pour un moteur classique. Pour modifier ce paramètre, menu un démarrage simple vitesse haute égale valeur souhaitée. 100 arrière pour faire tourner le moteur en 100 arrière, pontez la borne DI2 sur la borne plus 24. Menu 5 réglages complet 5. 4 commandes et référents. Affect. Arrière égale DI2. Cette action N n'est pas réalisable avec WebServer ramp accélération et décélération quel que soit le 100, le variateur respectera les rampes d'accélération et d'accélération des paramètres accélération et décélération réglés à 10 secondes. 4. 5 pour diminuer ou augmenter les seuils de vitesse haute, vitesse basse, accélération et de décélération avec le HMI menu un démarrage simple modifier les paramètres, vitesse haute, vitesse basse, accélération, décélération. Exemple pour le paramètre vitesse haute, menu un démarrage simple vitesse haute égale 40, si la fréquence maximum souhaitée est de 40 Hz. Avec WebServer remarque au lieu de strapper DI1 et la polarité, utilisez le contact D1 bouton tournant ou D1 bouton poussoir ou D1 sortie automate. Conseil si ce mode de fonctionnement suffit, finalisez la mise en service avec les rubriques 8 et 9 protection thermique du moteur, autoréglage 5. 6.5, faire varier la vitesse avec un potentiomètre, câblage D1 potentiomètre, un strap, paramétrage, repositionner le paramètre vitesse basse à la valeur 0, pas besoin si retour réglage usine, menu un démarrage simple vitesse basse égale 0, repositionner le paramètre vitesse haute à la valeur 50, pas besoin si retour réglage usine, menu un démarrage simple vitesse haute égale 50, câblage INSTO-A et STO-B doivent être au potentiel de 24 volts, en produit 9 sorties carton, STO-A et STO-B sont strappés à la borne 24, à vérifier impérativement, de utiliser un potentiomètre de valeur maximum 10 ohms, la référence SZ1RV1202 est le standard de potentiomètre Schneider, valeur 2,2 ohms. Connectez le potentiomètre de la façon suivante, résistance complète entre les bornes 10V et COM et le point milieu en est pontez la borne DI1 sur la borne P24 ou utilisez un commutateur. Fonctionnement dès que DI1 sera ponté, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le 100 avant et lui faire atteindre la vitesse définie par L-entrée analogique 0 à 10V correspondant à 0-50 Hz. Le variateur démarre en suivant les rampes d'accélération et de décélération, il atteint la consigne de vitesse déterminée par le potentiomètre. L'opérateur peut alors faire évoluer très aisément la consigne vitesse.